Alors mon ami, oui, chef. Tu as bien travaillé? J'ai bien travaillé, chef. Ok. Quoi cette mine? Il y a un problème? C'est votre chef, chef. Il a refusé de me payer. Et pourquoi? Soit disant que j'ai percé son œil. En même temps, je n'ai pas aussi coupé à rat. Coupé à rat? Tu n'as pas coupé à rat et tu as percé son œil. Il a tout pris sur moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je devais travailler là à côté, je n'ai plus rien de carburant. Ok. Prends ceci. Tu viendras tout expliquer au commissaire. Oui, t'as chef. Compris? Oui, chef. Allez, beaucoup de courage, ok? Merci, chef. Ça brûle. Ma jolie, madame, va prendre les commandes au poste de police. Le plat de Wolof est prêt. Tu peux d'abord le lui apporter. Mangeons un peu, chérie. J'avoue que j'ai l'embarras du choix. Quel est ton embarras? Les prix sont exorbitants, chérie. Avec moi, ne t'inquiète pas pour les prix. Fais-toi plutôt plaisir. D'accord. Jésus. Laisse, je vais t'aider. Tu sais, ferme les yeux et choisis au hasard. D'accord. Ferme les yeux? Ferme les yeux et choisis au hasard, s'il te plaît. D'accord. Comme ça? Vas-y. Oh chérie, j'aurais pas dû t'écouter. C'est cher, 15 000 c'est beaucoup. Ce qui est fait est fait. Hmm? Oublions ça et parlons d'autre chose. Qu'est-ce que Ngonda fait dans la vie? Oh. J'ai engagé dans quelques petits commerces, mais j'ai perdu le fond. Pour le moment, je suis en stand-by. J'attends une nouvelle orientation. Ah, ce pays devient brutalement difficile. Toi aussi, tu le remarques? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que cela t'étonne-t-il? Ta réponse, loin de me frustrer, m'accorde tout simplement plutôt à la patience. C'est la preuve, n'est-ce pas, que je ne me suis pas trompé. J'ai à mes côtés une femme mature, pas vrai? Madame, tu nous commandes les deux plats là, ok? Merci. Alors chérie, on va manger. Je me fais pardonner pour t'avoir fait attendre. Hein?
marteau. Voilà. Ouais. Ici, c'est combien? Non, tu me donnes 4 000. Hey, 3 000, c'est bon, non? Non, père, tu me donnes 4 000 déjà. Hey, c'est bon. Ça, c'est l'Afrique américaine. Ça, combien, père? Il te donne 2 000. Non, non, père. Hey, combien? Au marché noir, là-bas, on passe à 13 000. Hey, combien, père? Bon, 2 500, c'est bon. 2 500. On gère tout ça comment? Tout ça, on gère tout ça comment? Voilà, tout ça, c'est combien? Donne-moi 25 000, je prends tout ça. 25 000? Ouais. Toi aussi, mon frère. Tiens, non, mon frère. 20 000, c'est bon. Ouais, 20 000, c'est bon. Ouais. T'es passé ici dans le noir, hein? Hein? Bah, tu laisses l'autre là. Prends tout, non, mon frère. Comment tu fais comme une femme comme ça? Mais tu n'as pas compris, non? Mais pas un bidon! Arrêtez! Hé, Anno, c'est ça qui peut m'éclairer aujourd'hui, hein? Hein? En tout cas, je suis très sûr qu'on va aller comme ça aujourd'hui. Marjorie, tu es toujours provocatrice. Je te l'ai souvent dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait, Kenny. Si. Regarde-toi. Si tu n'étais pas toujours provocatrice dans ton vestimentaire, tu ne devais pas inquiéter le cœur de cette jeune pauvre femme. Ah. Ouais. Pourquoi toutes les femmes mariées pensent que les jeunes filles veulent arracher le mari? Ah ouais. Justement parce que nous les hommes nous admirons les jeunes filles et c'est une réaction normale. Et comme ça là, les hommes mariés qui nous font la cour, on ne doit jamais se marier aussi? Tu veux te marier? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Alors tu dois commencer à faire confiance aux jeunes débrouillards comme moi. Tu rêves, Kenny. Tu penses qu'avec tes pauvres 40 000 francs qu'on te donne au mois, tu peux gérer une fille comme moi? Je vais te dire une chose, ce raisonnement va te rattraper à l'avenir. Ok, alors laisse donc l'avenir déterminer le cours des choses. Oui, qu'est-ce qui s'est passé par là? Directement, quand... J'ai pris le village pour Kafou Biketri Bonham. Je te m'en pensais. À l'endroit du quartier. Bonsoir, mon chef. Oui, bonsoir. Ce petit m'a trop menacé. Il m'a trop volé les pièces. Je viens de le surprendre en voulant vendre mes clés. Mm-hmm. Et de quoi mes pièces de clients, il a vendu. Le moteur des gens, il vend. Je ne sais pas ce que ce petit me veut, mon chef. C'est un cas de délinquance. C'est ça, mon chef. Il est quoi pour toi? C'est mon petit, mon chef. Et qu'est-ce que vous attendez de nous maintenant? Je veux que vous le corrigez tout ça un peu, mon chef. Il m'a trop volé. Ok, d'accord, c'est compris. Bon, vous allez rentrer apporter les pièces à conviction, ok? Ok, mon chef. J'arrive, mon chef. D'accord. Non, laisse, on va aller le dire. Tiens le chapeau. Allez, ça. Allez, le chapeau là. Allez, le chapeau là. Viens comme ça. Allez, chef. Viens comme ça là. Prends-toi. Salut, monsieur. Salut, officier Ndikam. Nous avons décidé d'envoyer la plainte au service de contrôle. Ah bon? Donc vous êtes tous unanimes pour la démarche? Oui, comme vous le confirmez à l'instant. Ok. Dans ce cas, je vais vous y conduire. Nous n'en pouvons plus. Ils vont certainement se pencher sur votre dossier, je suis sûr. Allons-y. Aïe! T'as ça! Aïe, pas la chaîne! T'as ça là-bas! T'as ça! Aïe, pas la chef, chef, pardon! Pas la chef, chef, pardon! Aïe, pas la chef! Pas la chef, chef, pardon! Aïe, pas la chef! Pas la chef, chef, pardon! Hein? Pas la chef! Tout en bas! Tout en bas! Pas la chef! 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 Je vais récupérer les clés! Talaman! Chef, pardon! Aïe, pas la chef, chef, pardon!
Chef, pardon. Je vais la couper, pardon. Allez, lève-toi. Fais pitié, pardon. Debout. Occupez ton chapeau. Voleur. Debout. Bandit. Ça, c'est pour qui? C'est pour moi, chef. Prends ça. Et tout ce qu'il a volé, tout sera pour mon chef. Fallou. Hé, s'il vole encore un jour, tu viens sûr comme ça, là. Comprends, mon chef. Sans plus. Tu peux me chambre, quoi? Hein? Non, chef, vite mon chef. Tu peux me chambre? Vite mon chambre, chef. Voyou. T'es là, qui sont moi, là, c'est quoi? Tu es venu ici te chercher ou te vendre, ma jolie? Si tu ne calmes pas tes ardeurs, je serai obligée de te renvoyer. Inspecteur, monsieur Pendake, voici. Il, son petit frère est un voleur. Il a volé les clés que vous voyez et il passe le temps à voler les pièces, les moteurs des clients. Son grand frère était mécanicien. Et il a mené ici pour qu'on lui donne un petit café. C'est lui qui a proposé ce petit café. Nous l'avons déjà fait. Il y a eu quoi? Un vol IP. Qui a volé? C'est ce petit garçon. Celui-ci? Oui. Qui est encore en forme là? Oui. Et celui-ci, il est qui? C'est son grand frère. Son grand frère. Et ça, c'est quoi? Ce sont les clés. Les pièces volées. Les pièces volées. Asseyez-vous. Asseyez-vous aussi. Inspecteur, tu gères cette situation et tu me fais le rapport. D'accord. Okay. Ça, c'est les pièces à conviction? Ce sont les pièces, les clés. Donnez-moi ça. Déposez ça sur mon bureau. Dépose ça sur mon bureau. Tendez-moi les bras. Où est le dossier de ce tissu? Chef, c'est que mécanicien, chef. Vous êtes mécanicien? Et qu'est-ce que vous portez dans les bidons là? Je ne sais pas, chef. Gardez-moi ça là-bas, fourrier. À vos ordres. Où sont les clés? C'est ça, chef. Et c'est ce comptable. Restez là. Sale bandit. Bon, c'est bien bon. C'est bon là. Thank you.
Reste là-bas. Va, mon ami. Oui, mon cher. Vous dites que vous avez surpris votre petit frère en train de vouloir vendre vos clés. Ça, mon chef. Vous dites aussi que de temps en temps, il fait venir ses amis chez vous pour fumer. Mon chef. Qu'il boit beaucoup. Effectivement, mon chef. Et aujourd'hui, vous avez eu la chance de l'attraper la main dans le sac avec preuve à conviction, le trousseau de clés qui était prédestiné à la vente. Raison pour laquelle vous vous êtes rendu au commissariat, porter plainte pour que justice soit faite. Ça, mon chef. Ok. Vous vous présentez au commissariat avec un tricycle volé qui n'a ni facture ni dossier. Vous-même n'ayant pas vos cartes nationales d'identité. C'est très grave. Ça, mon bien, mon chef. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Vous-même, vous devez comprendre. Il est plus de 22 heures. Si je décide de vous auditionner d'une façon verbale, c'est pour vous donner une chance. Si vous pouvez finir avec moi, je vous laisse partir. Et le lendemain, je peux même mentir mes collègues qu'on a appelés du plus haut. Parce que le matin, on doit vous déférer pour coercion de vol. Excusez-moi, mon chef. Hein? Excusez-moi, mon chef. Consommation et détention illicite du cannabis. Où vous me donnez mes 200 000 représentants, les frais de loyer. L'argent du receleur, parce que vous avez facilité la fuite du receleur. Et vous savez qu'en droit, le receleur a la même peine que le voleur. Plus le dédouanement de vos objets qui sont là dehors. Vous me donnez mes 200 000. Je vous laisse partir. Le matin, je dirai à mes collègues que j'ai eu un appel téléphonique de la hiérarchie. Et je vous ai laissé partir. Même nuitamment. Si vous ne donnez pas, le matin, je vous défais pour coercion de vol, déclaration mensongère, consommation et détention illicite du cannabis. C'est compris? Je vous attends. Il est déjà plus de 22 heures. Si vous voulez fuir, j'ai votre tricycle et votre petit frère. Je vais remonter les sources et je vais vous interpeller. Où que vous soyez, cherchez mon agent. Comme on a dit. Allez, mon chef. Ne me perdez pas de temps, je vous attends. Allez, mon chef. Sabolo. Il est la loi, mais il fait sa loi. Il est la loi, mais il fait sa loi. Avec sa matraque et son sifflet, le lait, il prend sa part. Sa boule avec sa tenue et son insigne, il ne donne pas le lait, il prend sa part. Ça, c'est sa boule. Il vit son temps dans le temps et il s'en fout du lendemain.
c'est sa boulot. Il grandit dans le faux et il s'en fout de tous les mots. Ah, c'est il est la loi, il est la loi, mais il fait sa loi, il fait sa loi, il est la loi, il est la loi, mais il fait sa loi, il fait sa loi. Et il s'en fout du règlement. Et il s'en fout des conséquences. C'est sa boulot. Si tu t'amuses, il te tape avec les mains. Et en plus, il est fort, hein. Tu t'amuses, il te cogne avec ses pieds. Il est costaud. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Sa loi à lui. Il est la loi. Pour lui l'argent est le dossier. Il s'en fout des conséquences. La morale est dans sa poche. Ah oui, oui, c'est sa boulot. Ben Skinner, il attrape. C'est le gombo, gombo. Toxymen, il attrape. Tu ne payes pas. Tu es personnel, il te frappe. Ah mon fils, prends ton dossier. Papier sans papier, il t'attrape. Oh, c'est pas important les papiers, hein. Il est la loi.